Rituel d'amour rapide en 72 heures fonctionne. En 72 heures. Ne vous trompez pas. Quand il dit 72 heures, ça ne veut pas dire qu'en 72 heures, il viendra vous, ou il ou elle viendra vous déclarer l'amour fou, le big love et tout. 72 heures veut dire si vous avez bloqué ou si ou ça, vous aurez un petit signe. Le rituel d'amour rapide est une pratique de magie blanche qui consiste à effectuer un rituel d'envoûtement sur la personne que vous désirez attirer. Si vous avez perdu la complicité et l'amour de votre bien-aimé, de votre partenaire, de votre fiancé, etc., celui ou celle qui vous a aimé vous a quitté. Plus rien ne va dans votre vie de famille. Il ou elle est fatigué de vous et vous désespérez. Vous avez besoin que cette personne revienne rapidement dans votre vie. C'est là où vous pouvez faire ce rituel. Notez bien, chaque individu possède deux énergies, une positive et l'autre négative, je vous le dis, tous les jours. Comme si c'était une chanson. Donc, il est très, très important de réaliser ce sort dans un calme absolu pour maximiser les chances de votre côté. Soyez vraiment calme. Que l'endroit soit propre, que personne ne vous dérange, éteignez le téléphone, faites dormir les enfants. C'est-à-dire, concentrez-vous, faites peut-être du yoga, quelque chose qui va vraiment vous calmer. Sachez aussi que ce rituel de retour affectif rapide est définitif. Elle est très rapide et surprenante, je vous l'ai dit. Elle est définitive. Donc, ça veut dire que du moment où tu le fais, tu ne peux pas le rompre. C'est pour ça que je vous invite de bien choisir votre cible et de bien réfléchir à qui vous allez faire ce rituel. Réfléchissez vraiment si vous êtes amoureux de la personne, si ce n'est pas une illusion que vous avez dans votre tête, ou si vous croyez, ou si c'est peut-être de la pitié. Rassurez-vous que c'est de l'amour. Ne faites pas souffrir quelqu'un d'autre. Je vous le dis bien. Faites votre examen de conscience avant de réaliser ce rituel. Rituel à réaliser le soir pour que dans la nuit, votre sommeil à travers, c'est-à-dire dans la nuit pendant que vous allez dormir, à travers le sommeil, l'univers va apporter, le transporter, le rituel vers l'être aimé. Que ce soit un ex ou que ce soit quelqu'un comme j'ai cité au départ, ok? Le retour affectif ira souffler dans son oreille immédiatement pour lui donner tout ce qui est bonne idée et pensée sur vous, sur votre relation. Même si c'est votre relation du passé, même si vous êtes séparés, c'est ça que j'ai dit, faites-le avec calme. Il est important de le réaliser avec des énergies positives. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications qui vous seront utiles. Il vous faut bien évidemment un plat blanc, toujours, c'est ça qui protège votre rituel, que ce soit sur votre hôtel ou là où vous avez choisi de travailler. Prenez toujours un plat blanc. Elle protège votre rituel et vous apporte plein d'autres choses dans votre rituel. Il vous faut du sucre, de l'eau, un bocal. La photo de vous deux, c'est-à-dire des deux, de toi et de la personne concernée. Alors, si vous n'avez pas la photo, faites deux petits dessins.
un de vous et un de l'autre. Vous voyez bien que c'est garçon et fille. Ok? Si vous êtes fille-fille, vous faites fille-fille. Si vous êtes garçon-garçon, vous faites également garçon-garçon. Une bougie rouge ou rose, du miel, un fruit rouge de votre choix, ou encore ça peut être des bonbons. D'accord? Là, j'ai pris des bonbons. Franchement, hein, j'ai acheté des fraises pour faire ce rituel. Je l'ai déposé. Qu'est-ce que ma fille, elle fait? Elle rentre là, elle prend mes fraises. Elle fait son goûter avec. Alors moi, quand je vais chercher les fraises, je ne trouve pas. Je vais chercher les bonbons. Je dis, ok, les fraises, elle a mis dans son ventre. Je vais chercher les bonbons. Je vais prendre les bonbons. Je trouve que peu de bonbons. Les bonbons aussi, je ne sais pas quand elle a mangé. C'est ça quand vous avez des enfants. C'est ça, être mère. Alors, il vous faut également l'étoile d'anis. Vous pouvez prendre 3 ou 4 étoiles d'anis, mais je vous recommande 3 étoiles d'anis ou même une étoile d'anis. Ça, c'est pour ouvrir chemin, rebriller votre étoile. Ok? Donc, nous allons travailler avec une étoile d'anis parce que ça fonctionne aussi très bien avec une étoile d'anis. Bien, on va se débarrasser de petits trucs pour avoir de l'espace, d'accord, pour mieux travailler. Alors, vous allez venir ici là prendre votre photo. Supposons que c'est moi, Belle Claire, qui est en train de réaliser le rituel à quelqu'un. Ok? Donc, je vais prendre mon bocal. Je dépose mon bocal. Je vais prendre la photo de la personne que je suis en train de réaliser le rituel, que j'ai écrit le nom, Jean Dupont. Ma photo, ou le papier, j'ai écrit là-dessus, Belle Claire. Je viens unir les photos en deux. Donc face à face, mais je fais à ce que la mienne reste au-dessus parce que c'est moi qui est en train de faire le rituel, donc je veux dominer. Je le mets face et lui en bas et puis je le mets dans le bocal. Lui, il est en bas et moi, je suis au-dessus de lui. J'espère que vous avez bien entendu parce que ces derniers temps, si vous me posez des questions que je ne sais même plus pas comment vous répondre parce que je prends bien la peine de vous donner des explications comme si c'était des enfants de la maternelle. Pourtant, on peut bien avancer et faire des rituels courts. Avant, je faisais des rituels assez difficiles. Vous vous êtes plein belle, faites-nous des rituels simples, faciles avec les ingrédients qu'on peut trouver et faciles à élaborer. Alors, je vous ai apporté maintenant les rituels faciles à élaborer et simples, mais jusqu'à là, je remarque que vous ne regardez pas les vidéos avant de les réaliser. Je vous dis toujours, regardez la vidéo 2, 3, pourquoi pas 5 fois afin de réaliser, afin de commencer à réaliser. La première vidéo, quand vous regardez la première fois, vous permet de prendre constat du vidéo. De la vidéo. La deuxième vidéo vous permet de noter tous les ingrédients qui est dans la vidéo. La troisième visualisation vous permet de vérifier si tout ce que vous avez vous permet, si vous avez tout ce que vous avez dans le rituel, vous l'avez avec vous. La quatrième visualisation vous permet de mieux écouter, afin de réaliser votre rituel la cinquième ou la quatrième fois. Ça dépend de vous, mais je vous dis toujours, ne regardez pas la vidéo une fois et vous êtes pressé à venir me poser des questions, ou vous regardez la vidéo à moitié et vous venez me poser des questions. Je ne vous réponds pas. Vous savez, les gens qui voient tous les messages, je les lis. Que ce soit mail, message dans les commentaires, je lis. Donc, si vous voyez un message qui n'a pas été répondu, c'est que je trouve la question bête, ou je trouve tout simplement que la réponse se trouve dans la vidéo. Soit je vous dis, allez réécouter la vidéo, soit je ne vous réponds carrément pas. Et oui, c'est ça. Bien, la photo face à face. Alors, nous allons venir ici ajouter le miel. Nous allons ajouter le miel, ajouter également nos fruits rouges ou des bonbons. D'accord? Je viens là, je vais mettre du miel comme ceci. Soyez généreux ou généreuse avec du miel. Bien. J'ajoute mes bonbons
ou alors des fruits, ou alors j'ai ajouté des bonbons. Sinon, vous pouvez ajouter vos fruits rouges de votre choix. D'accord? Si vous n'avez pas les fruits, vous ajoutez les bonbons. Si vous avez des bonbons, vous mettez donc un des deux ou même les deux. Ça fait toujours bien à la nature. D'accord? Alors, nous allons venir ici là déposer notre étoile d'anis. Voilà. Vous avez vu? On dépose notre étoile d'anis. Nous allons maintenant venir ajouter du sucre pour bien le sucrer. Sucrer son âme, son cœur, ses pensées qu'il vient en faisant toujours en visualisant la personne à qui vous êtes en train de faire le rituel. Ensuite, maintenant, nous allons ajouter juste un peu d'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout. L'eau, maintenant, ici, c'est pour le purifier. Vous savez que l'eau, c'est la purification également. L'eau nous apporte beaucoup de bienfaits. Allez voir la vidéo où je vous ai parlé des différents types d'eau auxquels faire les rituels. Vous pouvez réaliser les rituels avec c'est sur la page. On a mis de l'eau, on ferme bien notre bocal et nous allons venir ici là allumer notre bougie maintenant, notre bougie rouge. Nous allons l'allumer toujours avec les allumettes en bois. Jamais du briquet. Et ça s'éteint toujours de cette manière. Ne soufflez jamais sur une bougie. Vous ressortez tout le travail que vous avez fait à l'extérieur. Soufflez jamais sur la bougie. Vous le déposez soit face comme ceci, soit vous le déposez tout simplement au-dessus de votre rituel comme ceci. C'est comme vous désirez. Les deux manières fonctionnent méga bien. Alors, alors vous allez venir poser vos mains là comme ceci. Ok, vous allez poser vos mains et puis vous allez venir dire cette phrase magique. Miel, sucre, adoucit l'esprit de Jean Atalana vers moi pour qu'il, elle, m'aime. Merci. Vous le dites trois fois. Là où je vais dire Jean Atalana ou Belle Claire, vous savez que c'est le nom du concerné que vous mettez là-bas. D'accord? La phrase magique dit miel, sucre, adoucit l'esprit de Belle Claire vers moi pour qu'il ou elle, dépendant de qui fait le rituel, m'aime. Merci. Répétez-le trois fois. Une fois que la bougie a terminé de brûler, vous allez prendre votre rituel. Quand je dis rituel, c'est ça. Parce qu'une personne m'a demandé s'il fallait jeter le plat, quoi, je ne sais plus trop. Votre rituel, c'est ça. Vous allez prendre le rituel comme ceci, d'accord? Vous irez le garder sous votre lit. Si vous avez le lit ouvert, vous le déposez en bas du lit. Si votre lit est déjà fermé, vous le déposez tout simplement à côté ou sur la table du chevet de votre lit pour 9 jours. Passez ces 9 jours, c'est-à-dire le 10e jour, vous retirez votre rituel, vous allez l'enterrer tel qu'elle est sans l'ouvrir. Tel qu'elle est sans l'ouvrir. Et voilà, il ne vous resterait plus qu'à attendre que l'être aimé vous revienne. J'ai dit bien dans 72 heures, vous allez voir les résultats. Ok? Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale belle.